L'équipe ivoirienne de football accède aux huitièmes de finale en tant que quatrième meilleure troisième après la défaite de la Zambie face au Maroc. Malgré l'absence de coach, l'espoir demeure. Le parcours de l'équipe nationale de football de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, a pris une tournure captivante alors qu'ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale en tant que quatrième meilleure troisième. Cette percée a été rendue possible. La Côte d'Ivoire, désormais en lice pour les huitièmes de finale, devra aborder cette étape avec une concentration accrue et une stratégie bien définie. Le défi de rivaliser avec les meilleures équipes du continent devient d'autant plus crucial sans la présence immédiate d'un entraîneur, mais cela pourrait également être l'occasion pour les joueurs de se montrer encore plus unis et résolus. En conclusion, la qualification de l'équipe ivoirienne de football pour les huitièmes de finale, en tant que quatrième meilleure troisième, est un moment mémorable dans l'histoire du football du pays. Alors que les supporters se préparent à soutenir leur équipe avec ferveur, l'espoir demeure que l'équipe trouvera le leadership nécessaire pour briller dans les étapes à venir de cette aventure sportive palpitante.